termites inattendus, communication exceptionnelle entre deux événements, digne des plus grandes campagnes de propagande anticommuniste des États-Unis pendant la guerre froide. Et justement, niveau communication, victoire par KO du Corps Pionnier. Avec la vidéo de Eric Sintas, la vidéo du Minute 30, elle nous a mis des gros taquets. Bon, après, réponse nombreuse du Corps de nos corps, mais sans saveur, 1-0 pour Lyon. Mais bon, le derby se jouera sur le terrain. Et le terrain, on va en parler justement. Le terrain, on va en parler. Les premiers à croiser le fer seront les handballeurs, en guise d'apéritif, pour ensuite laisser place au vrai sport, forcément. Alors, mais le handball, c'est quoi ce sport? Il y a des abrutis qui se jettent comme des dératés pour fusiller un sadomasochiste à moins de 7 mètres. Puis, handball, ça fait assez plaisir solitaire quand même. Pour le prochain derby, il faut le mettre du baseball. Donc voilà, le handball. Bon. Ensuite, je me baladais. Et là, je tombe sur des filles enchevêtrées dans l'air. Je me dis, bah, cool, le concours de pompe-pompe, il a commencé par le combat de combat. Et là, horreur. Sur le terrain, je vois un ballon au ballon. C'était un match de rugby féminin. Je savais même pas que ça existait. C'était une vision d'effroi. De toute façon, j'ai vu les filles, elles veulent tout faire comme les garçons. Et après, elles s'étonnent quand les ont tués. Bravo, bravo. Voilà ce que j'ai accès. T'as mis où que la musique a fait une c'est que le début là. Franchement, c'était un triste spectacle. Mais bon, après on se console. Les rugbyman garçons, les vrais, ils rentrent sur le terrain, muscles saillants, barbe aux lèvres, et moustaches postichonnes sous la bouche. Mais non les gars, c'est la moustache, ça n'a jamais guéri le cancer. Ça vous fait juste ressembler à Freddy Mercury. Et à se faire des papoules comme ça dans les mêlées, heureusement que le derby était sponsorisé par Manix. Donc voilà, ensuite place ensuite au sport roi, le foot, celui qui fait lever les foules. Celui où un lascar balafré et analphabète a devenu une icône. Victoire de Gênes au tir au but, c'est sûr, ça reste une victoire. Mais bon, après, avec les 150 personnes qui sont présentées aux élections, il y avait moyen de les humilier. Mais ça reste une victoire, comme j'ai dit, il faut profiter. Et il n'y a que derby à PMG et c'est bien la seule fois où Grenoble pourra taper Lyon au football. Enfin, dernière discipline sportive de la journée, le volleyball. Bon, je suis pas resté. J'aime bien ce sport, mais que quand il est joué par des Brésiliens topless sur les plages de Copacabana. Donc ensuite, après ce viol en règle de Lyon par l'école de Grenoble, je dirais en conclusion que le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main et la pompe-pompe-guerre marque du cou. Bravo. Bravo. Merci à vous. Et bien, pour les questions flash, ça commence direct.